Hello tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Il y a du bruit dans ce truc. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui je suis certaine va vous plaire. Puisque c'est parti, on retourne en concours. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi, donc j'ai trop hâte. Je vais en concours au Mans au Boulery Jump, je vais dérouler la B2 et la B1. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et de vous emmener avec moi dans toute cette aventure là. Donc c'est parti et bon visionnage, let's go. Nous sommes prêtes à embarquer et départ imminent pour Le Mans. Soli is ready. Soli a donc bien embarqué, elle est trop mignonne comme ça. Et puis on y va, on est prêt, direction Le Mans. Hello, bon là on a fait une petite pause pour déj et puis on y retourne tranquillou. Soli est dans son coin, je vais vous la montrer. Elle va bien. Voilà. Attendez, on va faire le tour. Oh, chouchou. Et après 3h30 de route, on arrive enfin. Ah, arrive. Parle de Soli, puis... On part à la recherche de notre box et en vue du nombre de camions sur le parking, on peut voir qu'il y a beaucoup de monde. On a donc enfin trouvé notre box et évidemment Soli en profite pour grappiller un petit peu de paille avant de rentrer dans le box. Et après avoir paillé le box, je vais chercher ma malle au vent et je l'emmène à côté de Soli. Allez, le sport. Une fois que Soli est installé, nous allons déposer nos affaires à l'hôtel, puis nous revenons ensuite au concours pour monter Soli Chou. Je vais vous montrer la petite vue car c'est quand même hyper beau. Nous avons été faire des petits achats chez West Cheval, vous verrez ça demain étant donné que je cherche un tapis blanc, un bonnet pour aller avec. J'ai trop hâte de les mettre vraiment. Et nous sommes partis pour la familiarisation. Je vais montrer la piste sur laquelle je vais passer le lendemain à Soli. Voici la piste sur laquelle je vais passer. Je fais plusieurs fois le tour du rectangle au pas pour échauffer ma jument. Et ensuite, je rentre sur le carré et je vais commencer à trotter. Soli est une habituée des lieux. On a l'habitude de passer plusieurs fois dans ce manège-là, donc elle le connaît bien et elle n'a pas peur du tout ou n'est pas du tout regardante. Parking château. Putain. Nous arrivons à notre hôtel. Première journée de concours, du coup voilà, on va voir ce que ça donne. Je passe très tard ce soir, je passe à 19h43. Donc, clairement on a le time. En arrivant, nous allons faire un petit tour chez West Cheval où ma maman achète des petits jouets et des friandises à Soli. Alors, Soli, les cœurs pour ce saut. Est-ce que t'as été sage? Pour l'instant, on n'en porte pas. Ah, elle est intéressée là, on dirait Harry. Tu l'accroches? Regarde, attends. On s'en fout de ton truc. Casse-toi avec ta poupée. Bon, eh bien, je lui ai quand même accroché son petit jouet dans son box. Bon, là, on se prépare tranquillement. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
c'est vraiment nos débuts dans ce niveau d'épreuve. Donc on y va vraiment très vite, on verra. Il n'y a plus de cas. C'est complètement ouvert. J'ai hâte de voir comment va t'aider. Et c'est parti, direction la détente. Ma détente s'est très bien passée, celui était hyper à l'écoute, je vous laisse avec ces quelques images. Comme ça vous pouvez regarder un petit peu comment je détends. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo détente en concours peut vous plaire, parce que c'est vrai que je ne travaille pas en concours comme je travaille à la maison bien évidemment. C'est parti, c'est à notre tour de rentrer en piste. Je vais faire le tour de rectangle au galop puisque je rentre au galop, donc j'aime bien que ma jument fasse le tour dans l'allure à laquelle je rentre. Et je vais me présenter aux trois juges puisqu'aujourd'hui ils sont trois juges à me juger. Et dès qu'on entend la cloche, on peut rentrer en piste. La reprise s'est très très bien passée et je vous laisse avec ces petits extraits. Je mettrai la reprise en entière sur IGTV sur mon Instagram. J'étais hyper contente de mon travail au trot et au pas, et maintenant place au travail au galop qui est aussi assez technique. Il s'agit de la reprise B2, c'est une reprise qui est difficile, les mouvements s'enchaînent assez rapidement, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout que c'est seulement la deuxième fois que je la déroule, mais je suis hyper fière de ce qu'on a fait. Comme vous pouvez voir, je suis hyper fière. On est classé 4e et donc direction la remise des prix. Je suis beaucoup trop contente. Hello, je crois que vous me voyez pas trop là. Il est très très tard, il est minuit. Je reviens de manger. On a eu la remise des prix très tard. Donc on a mangé très tard. Donc là, je suis repassée faire les soins à Soli. Et puis, on va aller bientôt se coucher. Là, je mets l'eau, etc. Et je vais me coucher. Donc, je vous dis à demain. Soli, c'est toujours la seule qui est hyper curieuse. Qui te garde? Qu'est-ce que tu cherches? J'aime bien avoir la tête dehors. Bon, je devais dormir dans ma caravane, mais on a eu un petit problème technique. Donc on va à l'hôtel à minuit, tout va bien. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, il est clairement minuit. On a dû trouver un hôtel d'urgence, on a eu un petit problème, mais bref, avec la caravane. Bon, on est sauvés. Regarde, je fais un petit tour, une petite douche. Hello, c'est moi. Hello, c'est l'heure du petit déjeuner, donc... On sort de l'hôtel et direction le concours. Je me suis mis en tenue et je prépare Soli pour ce deuxième jour. On ne voit plus avec ton casque. Petite crêpe une telle avant. C'est ça qui fait le moral. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Oui.
mieux, c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux. Mon papa, nettoie ma bombe. Oh. Ouh là, devant, oui. Ouh là là. Pantalon. Aïe. Et sur vêtements. Avec un pantalon sur vêtements. Système B. C'est bon ? Là, c'est bon. Là. Je boutonne ma veste. Stresse moins que pour la B2 parce que la B2 je sais comme je l'ai fait, faut pas trop que je me plante, voilà. Mais bon là vu que c'est la première, c'est pas grave. On est parti en direction de la détente. Le deuxième jour, je fais toujours une détente plus courte que le premier. On rentre en piste et cette fois-ci, ce n'est pas comme hier, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Comme vous pouvez voir, le début a super bien commencé, j'ai eu de superbes notes. Et malheureusement, je me suis fait sonner parce que je me suis trompée. Plutôt que de tout vous expliquer en voix off, je vais vous laisser le petit débrief que je vous avais fait sur Instagram. Bien, du coup, je suis sortie de ma reprise et ce qui devait arriver arriva. Je me suis plantée dans ma reprise. Vraiment, en plus, j'ai fait deux grosses fautes. J'ai fait les trois temps. Voilà, on s'est dit, c'est trop bas pour nous ce niveau-là. On passe au niveau de dessus. Et après, j'étais perturbée. Du coup, je me suis plantée dans ma reprise et m'ont sonné. Donc voilà, bon, clairement, catastrophe. Mais c'est pas grave, la jument au début, elle était top. À la détente, elle était top. Donc je peux pas me plaindre parce que c'est très prometteur pour ce niveau-là. Je suis hyper contente. Donc voilà, ça arrive à tout le monde de se planter. La prochaine fois, au moins, je me tromperai pas. Ça va brouter. Et après tout ça, nous rentrons à la maison. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et de prochains concours. Bye bye!